Un nouveau coup dur pour la journaliste star Claire Chazal, qui aurait été zappée par France Télévisions. La femme de télévision aurait été évincée de l'antenne, sans avoir été consultée. Après 3 saisons, son émission Passage des Arts, diffusée le dimanche soir sur France 2, à 23h, l'émission de l'ex-présentatrice de TF1, serait déprogrammée dès la fin de l'année. D'après une information révélée par le magazine Closer, dans son édition de cette semaine, Claire Chazal serait enragée. Outre le fait qu'elle était très impliquée dans la présentation de ce rendez-vous culturel, la journaliste serait enragée, et pour cause. Elle n'aurait reçu aucune explication de sa patronne, Delphine Ernotte, qui aurait la décision de la remplacer par Pierre Lescure. Celui qui officie actuellement en qualité de chroniqueur dans C'est à vous, l'émission proposée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5 reprendra la case avec un nouveau magazine consacré au 7e art. Cela devrait raviver la blessure de son éviction, un choc qu'elle n'aurait toujours pas encaissé le choc 7 ans après. TF1 était ma famille, j'étais très libre et heureuse. Quand il faut l'arrêter, c'est un choc. Je n'aurais pas arrêté de moi-même. L'audience était correcte, nous étions devant France 2. Le week-end qui a suivi mon départ, France 2 était devant TF1, cela m'a fait sourire. On m'a arrêté pour des raisons personnelles, c'était des inimitiés du point de vue personnel, a-t-elle regretté. Je ne crois pas que les chaînes généralistes veuillent encore me proposer de présenter un 20h. Je ne suis pas intéressée par autre chose qu'un journal de 20h qui permet de raconter une histoire avec des dossiers, des références, des remises en perspective historique. C'est le calme du 20h qui m'intéresse, pas l'information permanente. Je ne crois pas qu'on me proposera la présentation d'un 20h comme celui-ci.